Cette semaine à Dollar à bouffe, la salsa. Bienvenue à Dollar à bouffe. Il n'y a pas très longtemps, il est sorti une salsa au Dollar à moi. C'est la salsa Paco en Pepe. C'est un produit du Mexique. Oh, c'est un produit du Canada. C'est même fait au Québec. Ah ben. Mieux que ça, c'est fait par la compagnie La Sonde. La Sonde, c'est ceux-là qui font les jus Oasis. Ça promet. Cette salsa a l'air incroyablement bonne. Mais peut-être un petit peu trop liquide. Ça me coule ça à la main. On goûte. C'est tout à fait délicieux à la bouche. On pogne les gros morceaux de tomates, de l'oignon, on pogne des morceaux de chunky, comme on dit. La Tostitos va peut-être rester plus sur votre chip, elle coulera pas, comparé à elle. Mais vous allez en avoir moins dans le pot pour beaucoup plus cher. Puis ils n'auront pas des beaux gros morceaux de tomates et de d'oignon. Puis vous allez encourager une compagnie québécoise. Merci encore de visionner cette vidéo de Dollar à bouffe. Un gros merci pour Samuel pour la salsa. Merci. Après avoir mangé les deux salsas, je peux vous dire que elle, du Dollarama, est plus sucrée.